Bonjour à tous, bonjour Marine. Salut Théa, ça va? Tu vas bien? Oui. Super. Je suis ravi de faire cette interview avec toi. En fait, j'avais très envie de faire une interview pour présenter la thématique de ta chaîne aux gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube et de pouvoir échanger justement sur le sujet de l'estime de soi. Donc c'est la thématique principale de ta chaîne YouTube, vu tout ce que j'ai suivi, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Ben, déjà, merci de m'avoir invité à faire cette interview. Je suis super contente parce que du coup, ouais, j'aime bien aussi ce que tu fais sur ta chaîne YouTube et tout. Donc oui, moi, oui, c'est vrai que la thématique principale, c'est l'estime de soi qui recouvre énormément de domaines dans la vie, quoi, en fait. C'est vrai, l'estime de soi, ça englobe, en fait, ça a une influence sur les différents aspects de notre vie, que ce soit familial, professionnel, nos interactions avec nos amis, et même notre rapport à l'action en fait. Ouais, bah si tu veux, moi quand j'ai découvert le monde du développement personnel, j'ai pas tout de suite découvert l'estime de soi. Et en fait, plus j'avançais dans ma découverte et plus je me suis rendu compte que l'estime de soi, bah, comme je dis, c'est le socle du bien-être. C'est-à-dire que ça influe bah, sur tous les domaines de la vie, quoi. Ça influe sur toi, comment tu te sens, tes relations avec les autres, et ça peut même influer sur des trucs moi que j'imaginais pas, comme par exemple sur l'argent. C'est-à-dire sur la façon dont tu gères ton argent, l'estime de soi a aussi une influence alors qu'on se dirait à la base, bah, c'est quoi le rapport, quoi. C'est vrai qu'on ne voit pas directement ce lien. Même moi, quand tu me le dis comme ça, ce n'est pas le Ouais. premier élément Et du coup, auquel j'aurais pensé. tu veux que je développe un peu par rapport à l'argent, juste pour dire. Alors, je veux bien, oui, si tu as envie de développer, Ben, ça m'a. si tu Moi, ça veux, m'a. on se rend pas compte, mais y a beaucoup de gens qui ont des soucis d'argent et ils se disent, ouais, j'ai pas assez d'argent à la fin du mois et tout. En fait, on se rend compte que derrière, il peut y avoir un souci d'estime de soi qui fait que. On a tendance à faire beaucoup de dépenses de conformité. Les dépenses de conformité, c'est quand tu vas dépenser pour faire comme les autres ou pour faire comme il faut, tu vois. C'est-à-dire genre, ah ben il faut être à la mode, donc tu vas dépenser pour être à la mode, même si tu prends des fringues qui a priori te plairaient pas. Ouais, mais bon, c'est à la mode, moi je vais être à la mode pour être accepté, patati patata, ou je vais avoir le dernier téléphone parce que, à la mode, le dernier smartphone parce que c'est comme ça qu'il faut faire et tout. Et du coup, tu te mets à dépenser pour des trucs qui, au final, si tu y penses, ne sont pas réellement importants pour toi et bon, tu t'en fiches plus ou moins. Et du coup, tu vas faire ces dépenses-là. Donc, du coup, tu n'as plus cet argent-là sur ton compte. Et du coup, l'un des bénéfices d'une bonne estime de soi, ça va être justement que tu vas faire moins de dépenses de conformité. Donc, tu peux avoir plus d'argent sur ton compte à la fin du mois. Ou alors, avoir plus d'argent pour dépenser dans ce qui compte vraiment pour toi. Donc là, tu vois, c'est un bénéfice, moi, qu'au départ, j'aurais jamais dit que ça avait de rapport. Mais en fait, si. Ah, je comprends mieux maintenant. Oui, c'est en fait une sorte de conditionnement social, en fait pression sociale, parce qu'on, enfin, c'est très lié l'estime de soi et le fait qu'on arrive à être nous-mêmes. Et on se met justement à voilà, l'effet de mode, à se conformer aux autres. Au final, on est plus centré sur ce qu'on veut vraiment et puis on dépense, quoi. Voilà, parce que quand ton estime elle est pas assez bonne, tu t'es hyper sensible au regard des autres. Alors ça veut pas dire que quand ton estime est bonne, tu te fiches du regard des autres, hein, c'est pas ça. Je veux dire, faut pas que les gens qui nous regardent croient ça et que quand on a une bonne estime, on est 100% parfait, on fait 100% tout bien, etc. Et on s'en fout du Oui, c'est reste, sûr. c'est pas ça du tout. Mais on est beaucoup moins sensible à ce niveau et donc on va au regard des autres, donc on va moins se dire, ah, qu'est-ce qu'il va penser de moi si j'ai ci, si j'ai ça, si j'ai pas ceci, si j'ai pas cela. Et on va beaucoup moins se comparer, c'est-à-dire que tu vas pouvoir voir les autres qui ont des trucs que t'as pas, et comme toi, ces trucs-là, c'est pas important pour toi, ben, tu t'en fiches, tu dis tant mieux pour lui. Bon, voilà, moi, c'est autre chose qui m'intéresse, et tout, donc voilà, et à ce niveau-là, au niveau de l'argent, voilà, il y a. Alors, je veux pas dire que c'est pas parce que t'as une bonne estime que tu vas tout dépenser bien, c'est pas ça, mais ça peut avoir une influence, le fait d'augmenter ton estime, du coup, tu peux faire des dépenses qui sont plus adaptées à toi, à ce qui te correspond vraiment. Une sorte d'authenticité, on se rapproche plus de nos valeurs, de qui on est. Voilà, exactement, ouais. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ok. Et d'après toi, comment tu définirais l'estime de soi en quelques mots ou quelques phrases? L'estime de soi, c'est, pour faire simple, c'est à quel point on se sent valable en tant que personne. Alors, si je te pose la question comme ça, ouais, est-ce que t'es une bonne personne et tout, mais
je te pose la question, tu me poses la question, on pose la question à la plupart des gens, ils vont répondre, bah oui, je suis une bonne personne, quoi. Je suis quelqu'un de bien et tout. Bah, la plupart des gens, à part ceux qui ont l'estime vraiment, mais dans le gouffre, quoi, ils vont pas te dire, je suis une merde. Et pourtant, après, ça tu peux le dire intellectuellement, mais c'est émotionnellement, à l'intérieur, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu te parles, ce que ta petite voix, ce qu'elle te dit. Ouais. Ben, tu vas avoir une façon de. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu, en fait, tu te sens pas si valable que ça. Mais c'est pas forcément conscient, c'est ça le problème. Tu vois, intellectuellement, ouais. Tu demandes aux gens, ils vont te dire, ben oui, je suis quelqu'un de valable, je suis une bonne personne et tout. Et la façon dont ils se comportent, c'est différent, ils vont pas forcément se respecter. Mais si tu penses que t'es valable, tu te respectes. Je veux dire, toi par exemple, est-ce que t'aimerais passer du temps avec quelqu'un que tu trouves qu'il est con et inintéressant? Je te pose la question, est-ce que tu aimerais passer du temps avec... Voilà. Mon temps est précieux. Il y a des gens inconsciemment... ouais. Bon, voilà, j'ai dit un gros mot, con et tout. Bon. Ils pensent ça d'eux. Et du coup, ils se sentent mal avec eux-mêmes. Alors que s'ils se trouvaient vraiment intéressants et vraiment une bonne personne, ouais. Quelqu'un d'assez valable pour être apprécié, bah, ils se sentiraient mieux, quoi. Mais encore... Et après, le souci, c'est qu'on ne peut pas être apprécié de tout le monde. Et c'est un gros souci quand on a... une faible estime, on sait qu'on peut pas être apprécié tout le monde, mais on le veut quand même. Ouais, coup, on va dans une quête, excuse-moi, je t'ai coupé, oui. Peut-être. On va dans une quête de continuellement rechercher la validation des autres, et ça, comme tu dis, c'est une quête vraiment sans fin, parce que, comme tu dis, on peut pas être aimé par tout le monde, et c'est très addictif également de toujours rechercher les signes, ça bouffe de l'énergie, quoi. Et du coup, le problème, c'est que comme tu veux être apprécié de tout le monde, ben, tu vas dire « Ah, comment je pourrais être apprécié de plus de cette personne-là, de cette personne-là » et tu vas avoir tendance à te dénaturer, à te comporter et à être d'une façon que tu n'es pas au fond de toi. Et du coup, ça démolit ton estime, quoi. Parce que tu n'es pas au fond de toi, même si, encore une fois, la plupart du temps, c'est inconscient. Mais du coup, ça fait que tu ne te respectes pas, que tu te dis ben, « Je ne suis pas assez bien pour me montrer tel que je suis ». Et du coup, ça fait mal, quoi, à l'intérieur, ça détruit, voilà, et tu te forces à être quelqu'un que tu n'es pas, et franchement, ça fait pas du bien, quoi. Ouais, et moi, je trouve ça vraiment passionnant, cette notion dans l'estime de soi, en fait. En fait, on se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact des choses invisibles. Enfin, c'est pas des choses tangibles qu'on peut toujours voir, qu'on peut toujours dire, ah, mais t'as fait ça. En fait, on va pas se dire, ah, j'ai fait ça, mais ah mince, ça va sûrement baisser mon estime de moi-même. En fait, c'est des choses que si on ne les sait pas, on va trouver ça banal, c'est rien, c'est pas grave. Oui, ça, oui. C'est vraiment très intéressant d'en prendre conscience, je trouve. Mais en fait, c'est comme si tu te faisais une blessure à toi-même à chaque fois que tu agis contre qui tu es vraiment. Alors le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais attends, moi je suis qui je suis là. » Et c'est vrai, dans un certain sens. Mais en fait, t'es pas vraiment qui tu es quand tu te dénatures. Et c'est un travail à faire sur soi. Que de découvrir qui l'on est, de s'autoriser à être qui on est, d'éprouver aussi de la compassion pour soi-même, c'est-à-dire d'être indulgent avec soi-même, mais pas complaisant, c'est-à-dire c'est pas, tu vois, de dire « Ah ben j'y suis pour rien, ah, pauvre moi, pauvre moi, pauvre moi, c'est jamais ma faute » et tout ça, parce que quand on a une faible estime, des fois c'est, on se sent coupable de tout et en même temps on se dit « Ben non, c'est pas ma faute, c'est parce que j'ai pas eu les parents qu'il faut, c'est parce que j'ai pas de chance, c'est parce que c'est possible, mais je veux dire, c'est pas une raison, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous les mêmes chances dans la vie, voilà, c'est pas juste, c'est comme ça, ça n'empêche qu'on peut quand même améliorer considérablement notre vie si on s'efforce, voilà, d'élever notre estime, parce qu'on peut la... C'est ça, c'est un truc que les gens ont du mal à saisir, c'est que l'estime de soi, c'est comme la confiance en soi. Tu peux, elle fluctue, c'est-à-dire elle fluctue soit en bas de l'échelle, soit en haut, soit au milieu, enfin tu vois, mais on n'est pas tout le temps, par exemple, même quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, il n'est pas tout le temps à 100% une bonne estime, quoi. Il va être en bas de l'échelle, ça va faire comme ça, tu vois, quelqu'un qui a une estime mauvaise, ça va faire comme ça, enfin en bas, quoi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut élever durablement notre estime, c'est pas un truc comme ça qu'on fait. En claquant des doigts, alors c'est pas aussi sexy, tu vois, que si je te dis, ben tiens, moi j'ai une formule, en un mois je te permets avec 2 heures de travail par semaine de gagner 10 000 euros. Alors là, les gens ils se ruent dessus et tout parce qu'ils se disent, ouais, super et tout, j'ai gagné plein de fric et tout. Et quand tu dis, ben tu peux augmenter ton estime de soi, ton estime de toi en plusieurs semaines, ils sont,
Oh non, c'est chiant, ça prend du temps, gnagnagnagna. Enfin, tu vois, et c'est Mmh. dommage parce qu'on en recherche la solution de facilité en quelque sorte, alors qu'on pourrait ouais, améliorer considérablement notre vie en quelques mois. Et les effets, quand tu continues de l'entretenir, ton estime, parce qu'il faut Mmh. l'entretenir, c'est un peu comme les muscles, quoi, si tu veux. C'est-à-dire que, Ouais. je sais pas, tu vois, tu imagines, t'as du bide et tout, puis tu te dis, ah ben je vais faire des abdos, t'arrives à développer des abdos. Tu te dis, ah ben c'est bon, j'ai de bons abdos et tout, c'est bon, je vais pouvoir m'enfiler plein de pizzas, de McDonald's, de machin comme ça, et je fais plus d'exercice, ben ton bide, tu vas le retrouver, quoi. Et donc ton Ouais. estime de soi, c'est pareil, c'est pas à un moment donné, t'es arrivé. Il n'y a pas Mmh. de. Il n'y a pas, je suis arrivé, je suis à destination, c'est bon, je fous plus rien, je suis tranquille. C'est comme beaucoup de choses dans la vie, voilà, ça s'entretient. Et on voit de plus en plus les bénéfices, mais c'est pas tout de suite, direct, en 2 heures de travail et tout. Et c'est en s'observant après dans la vie de tous les jours et avec le et dans le contact avec les autres qu'on voit vraiment comment ça influence. Moi je vois j'ai tendance à m'énerver point genre je renverse ma tartine de pain, ah oh, putain fait chier et tout, enfin voilà et tout, alors que là tu vois je m'observe je la renverse, je dis oh merde, bon voilà, enfin je vois, ça va pas me pourrir la vie, tu vois, alors qu'avant je me dis mais il y a 4 ans, mais ça m'aurait gâché ma journée, tu vois, enfin c'est. Je Ouais, sais qu'on dire ça, mais voilà, moi, 4 ans, alors ça m'a pas pris 4 ans pour élever mon estime, mais tu vois, je continue de l'entretenir, tout ça, et en 4 ans, j'ai une évolution, je me sens vachement mieux dans ma vie, j'apprécie beaucoup mieux la vie, par rapport aux autres, j'ai de meilleures relations aussi, les gens, ils me disent, il y avait des gens que j'avais pas vus depuis, mais c'était, je les avais vus en 2012, je les ai revus en 2016, et ils m'ont dit, ouah, t'as l'air vachement mieux, et tout, tu souris plus, tout ça, et. Vous voyez qu'ils avaient plus plaisir à me parler, ils ont vu là. C'est là que tu te dis, ouais, il y a vraiment une différence. Tu la ressens toi d'abord, à l'extérieur, ils ne le perçoivent pas forcément, les gens. C'est ça qu'il faut savoir, qu'il y a un décalage, des fois, entre ce que toi tu ressens et les autres ce qu'ils perçoivent, parce qu'ils ont une image de toi qui reste fixée, donc ils ont des difficultés à ajuster à la nouvelle personne. Oui, la nouvelle personne, si tu veux que tu deviennes. Je ne sais pas si tu as peut-être pu expérimenter ça toi-même. Je sais Moi, pas. j'ai pu expérimenter, bah, c'est vrai que à mon changement, parce qu'avant j'étais très timide et puis j'ai réussi à vaincre ma timidité, bah, notamment en abordant des filles en fait. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé à vaincre ma timidité. Et après, c'est vrai qu'au début, j'ai eu cette phase où je me disais, mais purée, c'est fou, comparé à mon moi d'avant, Ouais. j'ose dire plus ce que je pense et tout ça. Et au final, des fois, on a tendance peut-être à, par rapport à la manière dont on est perçu, à l'exagérer dans le sens où il y a des gens qui font, ah bon, ouais, t'as un peu changé, mais ça va. Alors qu'en réalité, bah, peut-être avec le temps, si j'avais, après 3-4 ans, bah, là, quand je me croise quelqu'un, va me faire, ah ouais, mais je sais pas, t'as l'air plus confiant, t'as l'air plus à l'aise, t'as l'air plus. T'es plus le même qu'avant. Et là, c'est quand on ressent un feedback vraiment comme ça, là, on se rend compte du progrès qu'on a fait, en fait. Ouais. Et personnellement, moi, ça m'avait fait un bien fou, une satisfaction personnelle Oui, parce que tu d'avoir le pu. ressens toi, mais tu te dis, est-ce que ça, parce que tu as envie que ça se perçoive aussi de l'extérieur, tu te dis, je me le ressens moi, mais est-ce qu'il n'y a que moi qui le vois? Et quand en plus quelqu'un de l'extérieur voit la différence, alors ça, c'est les gens que tu vois des fois entre des périodes longues, comme tu disais, qui t'ont pas vu depuis un moment, ils vont avoir Voilà, ouais, c'est beaucoup plus surtout ça. tendance à voir la différence que quelqu'un que tu vois toutes les semaines, par exemple. Mais c'est Ouais. super gratifiant et. Même si la première des gratifications, c'est toi, comment tu te sens. Mais là, par exemple, un truc comme ça, une interview comme ça, il y a 4 ans, mais je t'aurais dit, mais déjà, je t'aurais pas parlé. Enfin, comment dire? Ouais. Tu vois, je t'aurais dit, Non. tu m'aurais dit, Marine, je veux t'interviewer. Déjà, je sais pas pourquoi tu m'aurais interviewé, tu vois, déjà, parce que j'aurais pas fait le blog, la chaîne YouTube, tout ça. Mais je t'aurais dit, Ouais. ah ben non, enfin, je sais pas, tu vois, c'est un gars sur Internet. Non, j'ai pas envie que les gens me voient et tout. Enfin, tu vois, super timide aussi. Donc là, l'estime de soi, mais voilà, ça influe sur la confiance en soi aussi. Mais je pense que toi aussi, tu as élevé ton estime au fil du temps. Du coup, le fait Ouais. d'être plus confiant, hop, ça élève aussi ton estime. C'est ça qui est génial. C'est que à chaque fois que tu. J'aime pas trop le mot travailler, j'ai pas un autre mot qui me vient, mais tu sais que tu travailles, bon, on va dire entre guillemets, sur un point, par exemple, ta confiance en toi, sur peut-être ton physique, comment tu manges, comment tu penses et tout, ça. Et plus tu Ouais. travailles sur ton estime de toi, c'est tout qui influe sur tout. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu vas travailler sur plusieurs sphères comme ça de ta vie. Tu élèves ton estime, ça influence sur plusieurs sphères. Après,
tu travailles spécifiquement sur ces sphères-là, toi tu parlais de confiance en soi, et bien hop, ça va aussi t'aider à entretenir ton estime, et c'est vraiment un cercle vertueux, quoi. Donc c'est. Ah, c'est vraiment génial, ça c'est clair. Ça Mais vaut vraiment la peine, je pense, d'en apprendre plus sur le sujet. Et bah, c'est super cool que tu aies fait une chaîne qui a pratiquement, et puis un blog également qui a pratiquement au cœur de ce sujet, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très important. Donc, c'est aussi pour ça que je partage là avec les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait une vidéo également sur l'estime de soi, même si ce n'est pas la thématique principale, mais c'est un sujet très, très, très important, parce que comme tu as dit, c'est une base solide en fait. C'est comme si on n'a pas l'estime de soi, on pourrait, je sais pas, connaître son but, on pourrait se dire où on va aller, mais ce sera pas solide en fait si on est toujours constamment par exemple, à regarder ce que les autres vont penser de nous, ou à avoir peur du jugement, voilà, avoir peur de ce qu'on projette, et de ne pas savoir nous-mêmes, sans filtre, enfin avec le moins de filtre possible, disons, ce que nous on veut vraiment, bah, c'est. Je pense que ça peut être un outil et un état d'esprit formidable, le fait d'améliorer Ouais, son estime de mais soi. certes, tu peux travailler sur ta confiance en soi, en toi, mais elle peut être bonne ta confiance en toi dans certains domaines de ta vie, mais si ton estime de toi elle est pas assez bonne, ben ça voilà, ça va pas être solide. C'est-à-dire que c'est vraiment la base. Et ah oui, ce que je voudrais dire aussi à ceux qui nous écoutent, c'est que un truc moi que j'avais pas perçu, c'est qu'il y a des gens qui semblent très confiants, tu vois, parce que moi j'étais hyper timide et tout. Quelqu'un qui est plus confiant que moi, je dis forcément celui-là a une bonne estime. Et bien en étudiant le sujet, ben, je me rends compte que non, pas forcément. Et du coup, ça aide à relativiser certaines choses et tu te dis, ouais, le comportement de cette personne-là ici, tac, c'est l'ego qui parle, l'estime, elle n'est pas si bonne que ça et tout. Et un truc que j'avais lu, j'ai appris et que je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que c'est vrai. Dans les relations, tu as tendance à avoir ah bon, à part tes relations familiales et tout ça, parce que c'est quand même un domaine à part, mais tu as tendance à avoir des relations, par exemple amoureuses ou des trucs comme ça, avec quelqu'un qui a une estime à peu près au même niveau que le tien. C'est-à-dire que il est très rare qu'il y ait une personne dans un couple qui ait une super estime et l'autre qui en ait une mauvaise. Alors que des fois, on ne le perçoit pas parce qu'on se dit, ben, il y en a une, elle est hyper confiante, l'autre, elle est un peu timide, mais c'est peut-être parce que l'autre, elle est extravertie, l'autre introvertie, tu vois. Des fois, on ne fait pas la distinction timide, introvertie, alors que ça n'a rien à voir. Et du coup, on se dit, eh bien, forcément, celle-là, personne-là, elle est mieux. En fait, tu te rends compte que non, cette personne-là, elle a aussi voilà, une estime qui est pas forcément top, quoi. Alors qu'on ne le dirait pas au premier abord. C'est très intéressant ça en fait, le fait d'attirer à soi les personnes qui nous ressemblent le plus, et dans ce cas-là par rapport au niveau d'estime de soi, c'est vrai qu'il faut... J'ai pas l'expression là qui me vient en tête, mais en gros, de pas se fier à la première impression, tout simplement. Parce Oui. que c'est vrai que enfin, on voit les personnes, surtout qu'on n'a pas confiance en moi. Je me souviens quand j'étais plus timide et j'avais moins confiance en moi que maintenant, bah, j'avais vite tendance, bah, je sais pas, j'étais à l'école récemment, là j'ai 23 ans, j'étais depuis jusqu'à 21 ans. Et quand je voyais mes camarades de classe, j'avais tendance à me comparer, à me dire, ah, mais lui il est à l'aise, il parle fort en classe. Il dit les choses, mais au final, je m'en rendais compte que plus je m'approfondissais, que je m'intéressais à la psychologie en lisant des livres, des vidéos et tout ça, et plus je m'en rendais compte qu'au final, c'est pas parce que quelqu'un parle fort ou c'est pas parce que quelqu'un a de l'audace en fait, qu'il a une bonne estime de lui forcément. On peut avoir une sorte de confiance, ça peut même être une arrogance parfois, parce que et que ça peut cacher justement une faible estime. Oui, Qu'est-ce que tu penses? ah mais je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est qu'il y en a qui ont comme protection le fait de s'exprimer fort, de faire le kéké et tout, alors qu'au fond d'eux, voilà, c'est juste une image qu'ils renvoient. Et au fond d'eux, voilà, c'est pas top, quoi. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que des fois, on lit que. Enfin, des fois, on peut dire par raccourci, si tu as une trop forte estime de soi, de toi, c'est pas bon parce que tu vas être arrogant. Non. C'est que ton ego, c'est un gros ego, tu vois, faut faire la distinction. Tu peux jamais avoir une estime de toi trop bonne. Une bonne estime de toi, tu vas pas prendre les autres pour de la merde. Tu vas pas être arrogant. Tu vois? Et il y en a qui confondent ça. Ils disent, ah oui, mais celui-là, son estime, elle est trop élevée. Et du coup, il est arrogant, il se la pète, machin. Mais non, si tu as vraiment une bonne estime de toi, tu considères les autres comme des êtres humains. Ça veut pas dire que tu aimes tout le monde. Je veux dire, ça veut pas dire que tu es tout le temps parfait. Des fois, moi, je dis, oh putain, celui-là, il est con et tout, ça me fait chier. Enfin, tu vois, enfin, voilà, tu te dis pas, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Tu vis pas dans le monde des bisounours. Tu vis dans le même monde, mais
tu penses d'une façon qui te sert plus et ouais, tu prends plus soin de toi, t'arrives plus à être toi et tu te sens mieux quand tu es toi, tu vois. Parce que t'as pas à te contorsionner à dire ah, comment il faut que je sois et tout, ben non, t'agis, tu parles comme ça vient, quoi. Super, magnifique. Ouais, c'est vrai que ça amène une sorte de spontanéité, comme tu as dit, comme ça vient en fait. Ça Ouais. sort. Et même si c'est négatif, bah, ça sort. En fait, c'est une sorte de s'assumer. Oui, après, faut pas non plus dire ah ben moi je parle comme je veux, puis tant pis après les autres s'ils le prennent mal, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. chacun a le choix de sa propre réaction. Mais le truc, c'est que des fois, moi, voilà, je suis pas parfaite, hein, je fais pas tout bien comme il faut. Des fois, j'ai des trucs, je me dis, ah mince, j'aurais pas dû dire ça et tout. Mais du coup, justement, j'arrive de plus en plus à le remarquer. Je me dis, là, j'aurais pu me comporter mieux. J'aurais Ouais. pu dire les choses d'une meilleure façon, tu vois, à l'autre pour être plus respectueux de l'autre. Et je me dis, ok. Et au lieu de me dire, oh putain, je suis nulle, j'ai eu un comportement merdique, machin, je me dis, ok, j'aurais pu agir mieux. Voilà, comment je pourrais faire mieux la prochaine fois? Et je me dis, ok, je vais faire mon mieux la prochaine fois. C'est vraiment une clé super importante. C'est l'un des quatre, c'est le quatrième accord Toltec. Il me semble, oui, c'est garder en tête de faire de son mieux. On trébuche tous à un moment donné, je veux dire, même ceux qu'on voit par exemple sur YouTube qui font des super vidéos, ils ont l'air de super bien parler et tout. Ils te Ouais. disent, ah ouais, moi je réussis tout et j'ai plein de fric et tout, j'ai une super relation, j'ai une super femme ou un super mari et tout, et ça va d'enfer dans ma vie. Bon, Ouais. des fois ils trébuchent, des fois ils font des erreurs, mais voilà, enfin je veux dire. L'important, c'est vraiment de faire de son mieux, pas de se dire, ah, j'ai raté ça, c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. Il y en a Ouais. beaucoup qui essaient ça, tu leur dis, essaye de faire ça dans ta vie. Ils disent, ah ouais, mais j'ai essayé, mais là, j'y suis pas arrivée, donc c'est bon, j'arrête. Bah non, tu vois, c'est un truc de persévérance, et je pense que t'en parles aussi sur Ouais. ta chaîne. C'est important, et faire de son mieux, la persévérance, c'est vraiment lié pour moi. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je dirais que oui, parce en fait, sur le court terme, moyen terme, il y a des personnes qui pourront atteindre un niveau de réussite, entre guillemets, sans se dire je fais de mon mieux, plutôt en se disant il faut, je dois, je fonce, en étant trop dur avec eux-mêmes. Mais sur le long terme, je pense que c'est pas tenable en fait. Et moi-même, je fais un travail sur moi, sur ce côté-là, parce que, en fait, moi, j'ai remarqué que j'ai un profil où j'adore atteindre des choses, j'adore le côté productif, c'est quelque chose qui me parle beaucoup en fait, discipline. Et plus j'avance, et plus j'essaie d'être plus en même temps détaché, en même temps pas trop attaché au résultat, dans le sens où je dois absolument faire le truc. Mais en même temps, avancer quand même. Donc, en fait, le juste milieu, bah, ça pourrait bien résumer, c'est faire de son mieux. Tout simplement faire de son mieux, de se rappeler qu'on n'est pas parfait et de s'accepter, en fait. Avoir une sorte d'acceptance de soi Ouais. tout en allant vers ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment très important Oui, pour moi. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par exemple, notre mieux de maintenant, là, au moment où on fait cette interview, notre mieux d'il y a une semaine, notre mieux de dans une heure, ben, c'est pas forcément le même. Et par exemple, tu vois, l'autre jour on se parlait, voilà, tu avais un rhume. Et bien, tu pouvais pas forcément donner le mieux au moment où tu avais ton rhume, c'est pas le même que le mieux de maintenant, tu vois, enfin, j'imagine, Ouais. tu vois, et donc. Il faut arriver, tu as cet objectif, tu te dis je vais faire ça. Tu n'y arrives pas à l'objectif que tu t'es donné, mais tu as fait ce que tu pouvais pour avancer sur le chemin, même si c'est par exemple te dire ah ben j'ai regardé cette vidéo, c'est tout ce que j'ai fait. Au lieu de te Ouais. dire ben voilà, j'avais prévu de tourner une vidéo, j'avais prévu de faire ci, de faire ça, de faire du montage, de rédiger un article. Mais là, t'es Ouais. malade. C'est quoi le ton mieux à ce moment-là? Ben, peut-être que ton mieux, c'est de dire bon ben voilà, là j'ai pas la tête à ça, je suis pas dans la bonne énergie. Je vais lire et cette lecture, elle va me nourrir ensuite pour justement pouvoir faire de meilleures vidéos, pour pouvoir trouver des sujets. Et tu avances quand Ouais. même vers ton objectif. Tu l'as pas réalisé, mais qu'est-ce que tu veux? On a tous nos contraintes, on a tous des imprévus dans nos vies. Ce qu'il faut, voilà, c'est avoir de l'autocompassion pour nous-mêmes, de l'indulgence, faire comme si on était notre meilleur ami. Voilà, comment tu ferais avec ton meilleur ami? Comment tu le traiterais? Mais c'est comme ça que tu dois te traiter toi-même avec toi. Mais sans être dans la complaisance, sans être dans se dire. Oui, parce qu'après, sinon, tu tombes dans la procrastination et tu tombes dans la victimisation de dire c'est pas ma faute, j'ai pas de chance.
Oui, on a des fois on a moins de chance que d'autres, on a moins de capacité que d'autres dans certains domaines, mais ce qui est important, c'est de faire voilà, de notre mieux. Et ça, je pense que c'est une clé super importante, que ce soit pour élever notre estime ou pour nous comporter généralement dans la vie. C'est-à-dire que tu vas faire des trucs que peut-être que tu n'es pas fier ou tu te dis ah, j'aurais pu faire mieux. Déjà en prendre conscience de ça et s'engager à faire de son mieux la prochaine fois. Et si la prochaine fois t'arrives pas à faire mieux, ben, c'est pas grave, tu te dis j'en prends conscience et voilà, j'essaie de faire de mon mieux. C'est comme je parlais des muscles. Ben, la première fois que tu fais des pompes, je veux dire, tu vas pas avoir les abdos, hein. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire pendant un moment avant de voir le résultat. Ben là, c'est pareil. Le principe de patience, en fait, ça me Voilà. rappelle, ouais, Ouais, c'est tellement patience, important. persévérance. Voilà. Ouais, c'est clair. Je pense, ouais, c'est un. Est-ce que tu as lu le livre Les 6 piliers de l'estime de soi? Oui. Alors, je l'ai lu après avoir mis au point ma formation, ma grosse formation sur l'estime de soi pour l'augmenter. Et du coup, j'étais contente parce que j'ai vu que moi, les sujets que j'ai trouvés par moi-même en creusant le sujet, ben, je les ai retrouvés dans ce bouquin-là. Et Ah, donc, du fantastique. coup, je trouvais ça intéressant. Je me dis, ouais, je lisais juste, quoi. Et c'est, ouais, T'avais une c'est, bonne intuition, ouais, ouais. c'est un bouquin très intéressant. Et ce que je voulais dire aussi, peut-être que, parce que peut-être là, je sais pas, ça fait un moment qu'on discute, je sais pas si par rapport à l'interview. Parce qu'on a prévu une deuxième partie pour ceux qui nous regardent. Ouais, exactement, ouais. On va Ce faire qu'on ne un. dit pas, c'est que il faut être prêt mentalement et émotionnellement pour évoluer. Des fois, on veut des choses dans notre vie, mais on n'est pas prêt là et on n'est pas prêt émotionnellement et dans nos tripes. Des fois, par exemple, tu vois, tu te dis. Je veux plus de ci, j'en ai marre, je veux aller mieux. Mais t'es pas forcément prêt à faire ce qu'il faut pour ça. Tu vois? Des fois, moi, il y a des trucs, je les aurais entendus, mais quand je t'ai dit il y a 4 ans, je me serais dit, mais c'est complètement perché, ce truc-là, c'est nul, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, ce qu'il dit, c'est des trucs bateaux et tout. Et alors que maintenant, et depuis des trucs que j'ai entendus, je me dis, mais ouais, mais il y a trop de vérité là. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Il y a des trucs, des je fois, faut accepter de pas être prêt. T'es juste pas prêt. T'es juste encore du chemin à faire pour arriver à ce comme truc-là si que tu. tu veux. Ouais. Oui, je vois tout à fait, ça m'est déjà arrivé ça d'ailleurs. Que tu lis une information ou bien que tu lis un article, une vidéo ou un livre, et sur le moment, au moment où tu l'as lu, ça t'a pas trop parlé en fait. Tu te dis, ah, intéressant, peut-être, et t'es passé à la suite. Et peut-être qu'après, je sais pas, après 2-3 ans, bah, il s'est passé des choses dans ta vie. Et là, ça, peut-être à ce moment-là, ça devient plus ta priorité, ou à ce moment-là, ton état d'esprit a changé et tu comprends mieux le conseil ou la phrase ou. Et là, en fait, t'es prêt, quoi, à le prendre au sérieux, en fait. Donc oui, ça, Et c'est entre vrai le que c'est déclic intéressant. mental où tu te dis ça c'est intéressant et le déclic où tu vas l'intégrer dans ta vie, il y a aussi un laps de temps. Je sais pas si tu l'as remarqué, tu te dis ah ouais, ça c'est bien, c'est vrai ce truc-là. Tu vois, tu le lis, tu te dis ah, mais c'est tout à fait ça et tout. Et le temps que tu parviennes à l'intégrer dans ta vie de tous les jours, à ton comportement et tout, ben, il y a aussi un laps de temps. Il faut que les choses mûrissent, il faut arriver à l'intégrer. Voilà, il y a souvent beaucoup de différences entre le mental et l'émotionnel. Tu vois, c'est comme je disais, est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que tu es quelqu'un de valable et tout? Les gens vont dire oui, mentalement, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, tu vois, c'est pas Est-ce que forcément ouais. tout à fait ça et c'est pas forcément conscient. Et des fois, on est Ouais. trop pressé dans notre société, on veut toujours plus, toujours plus vite, on veut les résultats tout de suite, maintenant, maintenant, maintenant. C'est pour ça que ça marche si bien, comme je disais. Ah, vous gagnez 10 000 euros par mois en travaillant 2 heures par semaine, tu te dis en un mois vous avez 10 000 euros, ben les gens ils se jettent dessus quoi. Ils les auront pas ces 10 000 euros, enfin, je veux dire, faut pas se leurrer, la plupart, enfin je veux dire, il y a 99% qui les auront pas. Mais ils se jettent dessus, ils se disent un mois, bon c'est un peu long, mais c'est quand même assez rapide et tout. Et toi tu leur Ouais. dis par exemple au but de vie, ouais mais bon voilà, ça va vous prendre des semaines, des mois, des années, oh là là, c'est trop chiant, c'est trop long. Alors que c'est ça qui va vraiment leur changer la vie. Je veux dire, les 10 000 balles, tu les auras dépensées rapidement. Il y en a qui disent, ah non, ben si ton estime elle est pourrie, par exemple, les dépenses de conformité, tu vas t'acheter, je sais pas, tu vois, rien qu'une voiture. Les 10 000 balles, ils sont vite, tu vois. Ou alors te dire, ah ben je vais m'acheter un sac de marque et puis après aller en vacances. Enfin, je veux dire, c'est. Et est-ce que c'est vraiment ça qui te rend heureux? Est-ce que c'est vraiment ça qui te fait te sentir bien? L'estime de soi, c'est ça. Tu vas l'améliorer. C'est ce qui fait que tu vas te sentir bien un maximum du temps. Pas tout le temps, parce que c'est pas possible. Je veux dire,
pas mentir aux gens, tu peux pas être 100% du temps heureux comme tu peux pas être. Enfin, c'est difficile d'être 100% du temps en pleine santé, tu vois. Tu peux être en pleine santé, mais avoir un rhume de temps en temps, ben à ce moment-là, t'es pas en. Voilà, t'es pas en super bonne santé. Mais voilà, être heureux, l'estime de soi, voilà, c'est pareil, ça fait dessus, mais ça. Oui. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'en tout cas, l'estime de soi, c'est un des piliers du bonheur. Parce que sans estime de soi, on ne peut pas tout simplement s'aimer soi-même. Et si on ne s'aime pas soi-même, notre vie, elle est moins agréable. Enfin, il y a vraiment beaucoup de paramètres qui font en sorte qu'on est plus heureux. Mais après, on peut. Moi, je ne dis pas que c'est l'élément. Il n'y a pas que ça, en fait. Ah non, non, Sans mais ça soi. va jouer sur tout. Ça va beaucoup Voilà. aider toutes les sphères de ta vie. Ça, c'est le socle, quoi. C'est le socle. Voilà. Et puis après, tu entretiens ton estime, tu la renforces et tu bâtis après avec d'autres trucs, avec la confiance en soi, avec d'autres choses, avec les relations, tout ça. Et voilà, brique par brique, tu construis bah, une vie C'est vrai où, dans laquelle tu te sens mieux, quoi. que c'est un des sujets très très un des plus importants ouais, dans le développement personnel pour moi en tout cas. Ouais. Je suis d'accord. Bah alors je pense qu'on arrive à la conclusion là. On a c'est magnifique, on a pu avoir une conversation, parler vraiment de différents sujets. J'en ai appris aussi grâce à toi, donc c'est super, je te remercie. Ben, merci à toi. Et pour conclure, je voudrais te proposer si tu devais partager une astuce, une action ou un conseil, je ne sais pas qui t'a le plus aidé pour améliorer ton estime de toi ou quelque chose pour conclure. Qu'est-ce que ça serait? Prendre soin de soi. C'est Prendre. vraiment la base. Prendre soin de soi, respecter ses besoins, se respecter soi. Et c'est vraiment parce que là, souvent, quand on a une mauvaise estime, on ne se respecte pas assez. On dit oui à beaucoup de choses alors qu'on devrait dire non et on ne dit pas oui à certaines choses qui sont importantes, tu vois. Si tu dis, tu vois, faut te respecter, faut prendre en compte tes besoins, faut t'écouter. Des fois, on dit, ah, faut pas s'écouter, faut avancer, avancer, avancer. Alors, faut pas écouter la petite voix qui te fait procrastiner, mais faut vraiment écouter ses besoins, ne pas se comparer aux autres le moins possible. Parce que c'est vraiment là, tu te perds là-dedans. C'est là que tu as tendance à te dénaturer, à partir sur un chemin qui te convient pas, voilà, on est tous uniques, on a tous nos paramètres de vie, et prendre soin de soi, ouais, c'est vraiment la base, quoi. Et chacun peut se dire, voilà, prendre soin de moi, pour moi, c'est ça, tu vois. Et juste quelques minutes par jour, des fois, ça peut suffire, mais il faut se faire passer en premier. On est la personne la plus importante de notre vie, parce qu'on passe toute notre vie avec nous-mêmes, je veux dire. Toi, t'es la personne avec laquelle tu vas passer le plus de temps dans ta vie, parce que c'est tout le temps avec toi, tu vois. Donc, Principe, c'est et donc, du coup, voilà, il faut que tu prennes soin de toi, que tu prends soin de ton corps, de ton véhicule, de ton mental. C'est vraiment le plus important. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut travailler, mais c'est vraiment que je dirais ça à la base. Prendre soin de soi, faire de son mieux, éviter la comparaison et mettre en avant ce qui est important pour nous dans notre vie. Voilà. Super, alors ouais, j'adore ça aussi. C'est vraiment, on passe la plupart du temps avec nous-mêmes, donc Oui, c'est con, mais c'est vrai. ça serait cool que ce soit agréable, quoi. Oui, voilà. Bah alors, merci beaucoup. Merci à Donc voilà, toi. c'était l'interview avec Marine Katz. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. En fait, j'ai découvert sa chaîne YouTube depuis plusieurs mois. Et j'apprécie vraiment ses vidéos, parce qu'elle va en profondeur, elle donne des conseils vraiment pertinents. Et dans ces vidéos, j'aime bien aussi l'aspect où, en fait, elle donne pas de formule magique ou de petits trucs à atteindre en quelques jours ou quelques semaines. En fait, je pense qu'elle est dans la même dynamique que moi. Je m'estime, c'est vraiment un développement personnel où on va dans le long terme, en fait. On va dans le moyen et long terme pour un changement durable, pas juste un changement instantané, en fait. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Et également une vidéo, la deuxième partie de cette vidéo qu'on va faire où je vais plus, moi, parler de la thématique de ma chaîne YouTube. Donc, ça sera publié sur ta chaîne, c'est bien ça. Voilà, c'est ça, oui. Donc n'hésitez pas à voir ça. Et puis, elle a également, vous aurez plein de bonnes astuces sur l'estime de soi sur sa chaîne. Donc, j'ai déjà vu quelques vidéos et je trouvais ça vraiment intéressant et utile. Donc, allez voir ça. Et puis, voilà. Donc, merci, merci beaucoup. Ouais, merci à toi, Tara. Puis on met tous les liens, tout ce qu'il faut dessus sur la vidéo de Voilà. chacun d'entre nous. Voilà. Voilà, merci de le rappeler. C'est juste, je mettrai le lien dans la description de la vidéo et vous trouverez ça. Voilà. Merci, Donc, Tara. merci. Ciao, ciao. Ciao. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette interview. C'est le premier que j'ai réussi à finaliser.
Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ce que vous avez pensé. Puis, si ça vous plaît ce genre d'interview, je pourrais en refaire. Alors, à la prochaine!